peu dégueu les photos. Là. Le son est tellement pourri avec le bruit du moteur, tu peux dire ce que tu veux. Attends. Je garderai pas le son là. Attends. Tu vois qu'elle commence à stresser, j'aurais la bouche. Bon. Ouais, allez go. En remontant au Grand Valtin, je filme la route comme je la filmais en 2007 lorsque les enfants étaient petits. Une bulle bulle vole, quatre bulles bulles s'envolent, des milliers de bulles vont en farandole. Une bulle bulle vole, mais où vont les bulles dans un ciel immense, comme des libellules, on dirait qu'elles dansent. Une bulle bulle vole, quatre bulles bulles s'envolent, des milliers de bulles sont en farandole. Une bulle bulle vole, je suis une bulle dans le ciel immense, comme un funambule, mon corps se balance. Une bulle bulle vole, quatre bulles bulles s'envolent, des milliers de bulles vont en farandole. Une bulle bulle vole, comme une capsule dans le ciel immense, vole petite bulle, tu as de la chance. Sur la chaume de Cérichamp, tout au bout de ce chemin, derrière ces grands sapins, se dressait une vaste ferme où habitait ma grand-mère Marie-Louise avec ses parents. Lorsqu'elle s'est mariée avec Noël, elle est descendue rejoindre la maison du Grand Valtin, juste la forêt à traverser. C'est pas du tout belle. Ils ont l'air de cœur. Regarde mon lit. Après la guerre, la maison a été déclarée sinistrée par le propriétaire qui a chargé mon grand-père de la démolir. Noël nous a raconté bien des fois qu'il avait dû y retourner plusieurs jours de suite avant de se résoudre à accomplir sa tâche.